Bonjour à tous et bienvenue au nouvel abonné. Aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier votre température d'ambiance. Généralement sur les thermostats on n'a pas les mêmes températures affichées que la température réelle chez vous. Donc sur ce modèle là c'est très très simple. Donc tout d'abord il faut mettre votre thermostat sur marche arrêt. Une fois que c'est fait, on reste appuyé sur mode pendant 10 secondes. Donc là, il vous met le soleil 0,1. Vous faites mode directement et vous affiche 0,0. Donc là, vous voyez, si j'ai un degré en trop qui est affiché, que c'est marqué 21 et qu'au fait que j'ai 20, vous voyez, j'enlève 1 degré. Donc, mais on peut faire jusque moins 5 degrés réels. Et pareil, si vous avez par contre des températures en dessous de ce qui est affiché, vous pouvez augmenter la température pour dire que justement vous pouvez paramétrer correctement votre thermostat à la bonne température pour éviter la surconsommation chez vous et ou chauffer pour rien. Donc une fois que vous avez modifié, donc là je le remets à 0, j'appuie sur mode, donc là je suis pour régler les températures en hors gel. Vous voyez, hors gel, là c'est nuit, pareil, hein. Là après c'est des autres paramètres mais qu'on ne touche pas. Et pour revenir au menu, on appuie sur mode pour revenir sur marche arrêt. Et quand on le rallume directement, là on a la température de consigne. Et là, comme je le touche, évidemment, il fait 20,5. Donc, vous voyez, si je monte, là on, c'est comme quoi que la chaudière devrait démarrer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. À bientôt pour une nouvelle vidéo.